They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. It's an open book, a road in reverse, a brand new hook. Forget that curse. Rewrite, ignite, restart. 'Cause it's your life. Oh, we won. 'Cause you're a royal, you rebel, you're more than one together. However you go, ever and ever after Soyez les bienvenus, mes amis, dans le monde d'Ever After High. Aujourd'hui, nous allons vous faire le récit d'un événement exceptionnel. Le bal de la destinée. Un jour de fête, au cours duquel Ever After High présente les élèves de contes de fées sous leur meilleur jour. Tout commence par la parade du bal de la destinée. Et comment oublier le championnat légendaire de Grimoire Ball? À plus, les princesses. Ou le bal de la destinée lui-même. Au cours duquel seront élus le roi et la reine du bal de la destinée. Ever After High ne manque d'ailleurs pas d'élèves capables de chausser la pantoufle de verre. Et cette année, tous les élèves voteront sur Mirrornet. On s'en occupe, Humphrey, Dumpty et moi. Attends, je vais te faire gagner du temps, mon petit frère. C'est sûrement moi qui serai élu roi du bal de la destinée, tout simplement parce que je suis sublime. Salut Ravan, j'ai voté en ligne pour la reine du bal de la destinée. Et c'est pour toi que j'ai voté, c'est sérieux? Pourquoi as-tu voté pour moi? Je gagne toujours ce genre de concours et dans le fond, tu es comme moi, issue d'une longue lignée de reines. Merci, je suis contente de voir que tu veux tourner la page. Je veux dire, je suis la fille de la méchante reine et je suis aussi une rebelle, mais je ne suis pas mauvaise pour autant. Raven Queen est demandée dans le bureau du directeur, immédiatement. Vous voulez manger quelque chose? Une omelette à l'œuf de dragon? Non merci, ça ira. Mademoiselle Trollworth, une omelette à l'œuf de dragon. Alors, Mademoiselle Queen, votre char pour la parade est-il terminé? Oui, enfin presque. Voilà qui est parfait, ma chère. Je peux vous demander quelque chose? Oui, bien sûr. Pourquoi êtes-vous si gentil avec moi? Depuis que j'ai refusé de signer le livre des légendes le jour de l'héritage, j'ai toujours eu l'impression que vous me considériez comme un problème. Vous ne me posez aucun problème. Bien au contraire. Mais c'est drôle que vous mentionniez le jour de l'héritage. Comme vous le savez, le jour du bal de la destinée est l'une des rares occasions où le livre des légendes est retiré de sa vitrine de protection et exposé au public. Et ce serait le moment idéal pour vous de reconsidérer votre décision et de le signer devant l'école tout entière. Non, désolé, monsieur le directeur, mais j'ai fait mon choix le jour de l'héritage. Je veux écrire moi-même mon histoire, sans suivre nécessairement les traces de ma mère. Si vous n'avez rien d'autre à me dire, je m'en vais, monsieur. Vous le voulez à la corde? Ou bien Free? Rien à faire, elle refuse de comprendre. Nous devons rester fidèles à nos histoires. Le dernier à l'arbre au cœur est une poule mouillée! Dépêche-toi, petit frère! On sera toujours les meilleurs amis du monde, Hamilton! Ouais, toujours. Le bal de la destinée, enfin. La clé, la porte est ouverte. Tu es prête? Je suis impatiente de terminer mon char. Tu sais, je l'ai décoré sans faire de mal à la moindre fleur. Sans faire de mal à une fleur? Hé, les plantes aussi ont des sentiments, tu sais. Vas-y, la première. Il faut encore que je cousse cette jupe. D'accord, à tout à l'heure. Oh, je me suis piqué le doigt. Oh, qui veut de la pizza? Je viens de la goûter et elle est vraiment trop bonne. Regardez. Oh, il y a de la viande dessus. Regardez, nos princes de contes de fées discutent stratégie pour le grand match. Ils sont trop mignons quand ils jouent les héros, vous ne trouvez pas?
On ne pourra jamais battre Beanstalk High au Grimoire Ball. Oh, arrête, petit frère. Ne te fais pas de soucis comme ça. Ça ne va pas être bien difficile pour nous de battre une équipe de minus comme la leur, hein? Beanstalk High est une école de géants, Darry. Je te signale. Eh bien, alors on risque d'avoir des ennuis, n'est-ce pas? Et nous botterons le derrière! Yeah! Hey, les garçons, j'ai réfléchi et je devrais entrer dans l'équipe de Grimoire Ball. Je suis super rapide. Oh, ça me semble une bonne idée. Mais tu es une fille! Et alors, je vois pas du tout le rapport. Désolé, Cerise, les demoiselles doivent être en détresse, pas sur un terrain de Grimoire Ball. Trop nul. Salut, Ginny. Les amis, je crois que je connais un moyen de battre les géants. Écoutez. Trop beau ton char, Apple. Il déchire carrément la page. Merci, Raven. Il y a la pomme empoisonnée que tu vas me donner. Que tu vas peut-être me donner. Apple. Oh, ne t'inquiète pas, Raven, tu y viendras un jour ou l'autre, je le sais. Un jour ou l'autre? J'ai essayé de te l'expliquer de toutes les façons possibles et imaginables. Je veux écrire moi-même mon histoire. Et pour être honnête, maintenant qu'on en parle, je trouve que tu es égoïste. Tu trouves que je suis égoïste? Tout ce qui t'intéresse, c'est d'être heureuse pour toujours et à jamais. Tu sais, parce que tu as choisi de ne pas signer le livre, toutes nos histoires pourraient faire pouf. On pourrait tous faire pouf. Oui, mais on ne l'a pas fait. Pas encore. Raven, je ne veux pas que tu signes le livre pour moi. Je veux que tu le signes pour que rien de grave n'arrive à toutes les personnes que j'aime ici. Y compris toi. Si tu veux le savoir, c'est plutôt toi qui joues les égoïstes. Briard ? Briard ! Réveille-toi ! Non ! J'ai dormi pendant combien de temps ? Eh bien, tu as raté la construction des chars. Mais c'est l'une des fêtes les plus géniales de l'année ! Ce n'est pas grave, ce n'est pas comme... Si c'est grave, au contraire ! Qu'est-ce que ça va être quand je devrais dormir pendant 100 ans ? Je vais rater des tas d'occasions de m'amuser et vous allez me manquer. Tu as toujours su que ça finirait par arriver, Briard. Tu dois devenir la prochaine belle au bois dormant. Oui, je sais, mais... Maintenant, c'est juste que ça devient réel, tu vois. Mais n'oublie pas que tu n'as pas encore signé le livre des légendes. Ashlyn ! Écoute, Briard, tu ne serais pas la première à remettre ton histoire en question. Je veux dire, moi j'ai déjà signé et je... Et quelquefois, je le regrette. Parce que tu sais ce qui va se passer pour Hunter et moi. Tu es en train de me dire que je ne devrais pas signer, devenir une rebelle ? Je dis juste... que tu as encore le choix. Est-ce que j'ai fait le mauvais choix? Hey, qui a fait ça? Excellent. Là, c'est assez loin. Maintenant, vous allez découvrir un édifice absolument unique ici à l'école. On l'appelle le Palais de l'Héritage. Madame Yaga, où est-il? Eh bien, vous voyez, le Palais de l'Héritage est un lieu magique. Il n'apparaît que pendant le bal de la destinée. Dédié à tous ceux qui étaient là avant vous. Vos parents, tous les anciens élèves d'Ever After High. Maintenant, si vous voulez bien vous rassembler autour du livre des légendes, j'aimerais vous parler de vos cadeaux du bal de la destinée. Lorsque vos parents étaient des élèves, on leur a donné l'occasion de laisser des présents pour chacun de leurs enfants qui pourraient étudier dans cette école. Et le moment est venu de vous les remettre. Ouais. Oh, des chaussures de course. Les ours ne m'attraperont jamais, c'est sûr. Merci, maman. Génial, un panier pique-nique avec une serrure miroir électronique. Des brosses à cheveux? Mais on en a déjà des millions et... Oh, génial!
Oh, un oreiller pour la nuque, super confortable. Super. Des lunettes? Je ne comprends pas. Pourquoi mon père? Nom d'un cèdre de l'Himalaya, je ne peux pas mentir. Et ces lunettes ne peuvent pas non plus. Ce sont des lunettes révélatrices. C'est n'importe quoi, je parie qu'elles ne fonctionnent pas. En tout cas, ils me disent la vérité sur ta robe. Et ce n'est pas une vraie robe de haute couture, comme tu l'as raconté à tout le monde. Qu'est-ce que tu as eu, Raven? C'est une pièce. Le puits des souhaits. Mais qu'est-ce que je suis censée souhaiter? Oh, mais je crois que je sais. Je souhaite savoir ce qui arrivera à mes amis si je refuse encore de signer le livre des légendes. De l'ogre. Waouh! On ferait mieux de partir. Quoi? Tu as peur? Oui. Tu as oublié l'histoire que papa nous a racontée. Tous ceux qui sont entrés dans cette grotte n'en sont jamais ressortis vivants. Oh, arrête! C'était juste une histoire. Elles ne sont pas toutes vraies, tu sais. Milton! Non! Alors, Tini, c'est quoi ton secret pour battre les géants de Beanstalk High? Tous les géants ont le même point faible. Nous sommes très chatouilleux. Du petit orteil. Alors là, ça te chatouille, c'est ça? Les garçons! Les garçons! Vous avez vu Apple? Non, mais tu ne préférerais pas avoir pour copains les garçons les plus cools d'Ever After High? Bonne chance pour la suite de ton aventure, douce et belle jeune fille. Lizzie, tu n'aurais pas un 10 de cœur par hasard? Non, je n'ai aucun... Attends un peu, ce sont tes lunettes révélatrices? Oh, si seulement je pouvais mentir. Hé, vous avez vu Apple? Non. Non, désolée. Mais où est-elle? Je veux dire, on a des menus végétariens à la cafétéria. Pourquoi pas des menus 100% viande? Apple! Oh, tu es là, enfin! Raven, tu dois attendre ton tour. J'ai décidé de signer le livre des légendes. Wow. C'est sérieux? Très sérieux. Réunion à journée. Monsieur le directeur Grimm, c'est fantastique, vous n'allez pas le croire. La chose la plus merveilleuse qui soit jamais arrivée à l'école. Vraiment? Et qu'est-ce que c'est? Je veux signer le livre des légendes. N'est-ce pas merveilleux? Oui, sans aucun doute. Mais qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis, Raven Queen? Apple a raison. J'ai été égoïste. Je ne veux pas qu'il arrive quoi que ce soit à nos amis. Eh bien, je suis heureux que vous ayez enfin perçu votre histoire de notre point de vue. Et je vais tout de suite organiser ça. La parade du bal de la destinée sera vue par des millions de citoyens du monde magique. Ce sera pour vous le moment idéal pour signer le livre des légendes. Des millions? N'est-ce pas incroyable, fan des contes de fées? Raven Queen a décidé de signer le livre des légendes. Alors ça, c'est l'événement historique le plus important depuis... Depuis qu'elle a refusé de signer le livre des légendes. Interrogeons Huntlin. C'est le petit nom que je donne à Hunter et Ashlyn. C'est juste que quand Raven a décidé de ne pas signer, on s'est dit qu'il y avait de l'espoir pour nous deux. Ouais. Attends, Raven a décidé de Hunter, signer. Hunter, il faut vraiment que tu lises plus souvent le Mirror Blog. Eh bien, Raven m'a convaincue. Elle ne veut pas qu'il arrive quoi que ce soit à ses meilleurs amis d'Ever After. Moi, je trouve ça formidable. Alors ça, ça va tout changer. Non, ça ne va rien changer du tout.
Oh, tout ce que j'ai à dire, c'est... Il ne reste plus que 2 jours pour voter pour le roi et la reine du bal de la destinée, alors connectez-vous vite! Moi? Eh bien, si Raven signe le livre des légendes, ça veut dire que nous jouerons tous notre rôle dans notre histoire. Et que je dormirai pendant 100 ans. Le jour du bal de la destinée approchait et toutes les jeunes filles revêtaient leurs plus belles robes au salon d'essayage. C'est incroyable, non? Raven va signer le livre. C'est comme si c'était mon anniversaire, le jour du nouveau chapitre et le jour des cœurs sincères en même temps. Oh, c'est un peu trop serré, non? Quoi qu'il en soit, ce sera le plus beau jour de ma vie. Oh, on est coincés. Waouh, pourquoi tu nous fais une crise de nerfs, toi? C'est juste que ce n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît, Apple. De quoi tu parles? De suivre notre destinée. Je veux dire, tu crois vraiment que j'ai envie de dormir pendant 100 ans? C'est vrai, ça. Tu vas manquer des tas de super soirées. C'est vraiment comme ça que vous me voyez? Une fille qui ne pense qu'à s'amuser? Je n'ai pas envie de m'endormir parce que je vais perdre tous mes amis. Je serai toute seule. Vous croyez que ça me fait plaisir? Oui, je n'avais jamais pensé à ça. Eh bien, moi si. Et maintenant que tu as accepté de signer, je... Ça change tout. Mais Briard, nous avons tous notre rôle à jouer. C'est facile à dire pour toi, Apple. Tu restes empoisonnée pendant quoi? 1 semaine? Briard, je suis vraiment désolée que tu aies de la peine. Je suis heureuse pour toi, Apple. Et je suis heureuse que Raven accepte de signer. Mais maintenant, je crois que c'est moi qui vais refuser de signer. Nous attrape. Arrête, tu sais bien que c'est juste une histoire. Les ogres, ça n'existe pas. Gilles? Charming pour le journal Ever After. Les premiers chars sont en train de descendre l'avenue et ils sont fantastiques. Et surtout, n'oubliez pas, le directeur Milton Grimm a promis une surprise extraordinaire pour la fin de la grande parade. N'oubliez pas de nous rejoindre tout à l'heure pour découvrir de quoi il s'agit en direct de l'avenue du dernier chapitre avec Lance Charming. C'est fini là. Et donc, comme la plupart d'entre vous s'en souviennent, il y a eu un petit contretemps le jour de l'héritage, mais je suis heureux de vous annoncer que tout est arrangé maintenant. Et que Raven Queen va à présent signer le livre des légendes. Ce n'est pas possible! Il y a quelqu'un ici qui dit des mensonges! Mon nom est Raven Queen. Raven! Raven! Et je vais... Raven! Raven! Mademoiselle Wood, partez! Oh, Raven! Ce n'est pas le vrai livre des légendes, c'est une imitation! Calmez-vous! Les blagues du jour du bal de la destinée sont une vieille tradition! Ce n'est pas une blague! Mes lunettes révélatrices ne disent que la vérité et ce livre que vous voyez n'est pas le vrai livre des légendes! Calmez-vous! Vous êtes allé trop loin, Mademoiselle Queen. Il est temps pour vous de signer le livre et de sceller votre destinée. Je suis désolée, mais si Cédar dit que le livre est un faux, c'est le cas. Raven, non! Évidemment, je n'aurais jamais dû vous faire confiance, Raven Queen! Vous avez dû organiser tout ça pour me faire passer pour un idiot! Non, je veux le signer! C'est la vérité, mais... Cette histoire est loin d'être terminée. Ils savent! Ils savent que tu les as échangés! Cette fois, tu vas me répondre! Où as-tu caché le véritable livre des légendes? Le jour du bal de la destinée a carrément commencé du mauvais pied. En tout cas, puisque le livre est faux,
Raven ne peut pas le signer et moi, je ne suis pas obligée de décider une fois pour toutes. À moins que... À moins que... Quoi ? À moins que Raven ne décide de se mettre en quête du vrai livre des légendes. Elle ne ferait jamais ça. N'est-ce pas ? Madeline, tu dois nous aider à trouver le vrai livre. Oh, on devrait peut-être parler dehors pour que Kitty n'entende pas. Pas de problème. Croyez-moi, quand elle dort, rien au monde ne pourrait la réveiller. Alors tu vas nous aider? Mais bien sûr. Raven m'a permis de voir le côté royal des choses. Je ne vais pas lui refuser un service, ni une bonne tasse de thé. Écoutez, s'il y a bien quelqu'un qui sait tout ce qui se passe ici à l'école, c'est la personne qui vit en dessous de l'école. Et tu peux nous dire qui on cherche exactement? Du nid jusqu'à la mer si belle, s'en vient l'oiseau aux trois paires d'ailes pour chercher la vérité, la beauté et moi-même. Ah, vous voilà, c'est formidable de vous revoir, Gilles. Gilles Grimm? Le seul et unique. Je savais que le directeur avait un frère, mais... Plume et ami, réunis et seuls. Il te dit bonjour. Mais qu'est-ce qu'il fait dans cette cave? Eh bien, il ne parle que le n'importe quoi, alors on ne le sait pas vraiment. Mais si le vrai livre des légendes n'est pas loin, il pourra sans problème nous envoyer dans la bonne direction. Les pages, les chapitres et les livres s'amoncellent, mais où la liberté toute pure se cache-t-elle? Là, il parle du livre. Je ferai mieux de prendre des notes. Tiens-moi ça. Je sais que j'ai des parchemins là quelque part. Papa! Papa! Milton? Que se passe-t-il? C'est Gilles! Je l'ai mis au défi d'entrer dans la grotte de l'ogre! Mais je t'avais pourtant raconté l'histoire! Je suis désolée. Vraiment! J'ai trouvé! Et c'est ainsi que le grand jour a fini par arriver, le championnat de Grimoire Ball. Le grand jour? Non, le grand jour est celui du bal de la destinée. Non, Grimoire Ball. Bal de la destinée. Calmez-vous un peu tous les deux. Le match va bientôt commencer. J'oublie toujours qu'elle peut nous entendre. Bon, écoutez, les géants de Beanstalk High sont forts et pourtant... Oh, entraîneur Gingerbread Man, désolé de vous interrompre, mais tout se passera très bien. Nous avons un plan. Et pas n'importe quel plan. Tini nous a dit que tous les géants avaient un point faible. C'est leur petit orteil. Exact. C'est bien pour ça que l'autre équipe porte des protections d'orteil. Moi, je vais rester sur le banc. Venez, allons chercher le livre. C'est le moment ou jamais. Attends un peu. Demandons à Cédar de venir avec nous. Avec ses lunettes qui lisent la vérité, on saura tout de suite si on a trouvé le bon livre. Hein? Où vont-elles? Je n'en sais rien. Erreur stratégique de l'équipe. Alors, tu crois vraiment que le véritable livre des légendes est caché là? Tous les indices nous l'indiquent. Où les histoires du passé prennent vie, ressuscitent et s'agitent. Tu vois quelque chose, Cédar? Non, juste un... Nom d'un cèdre de l'Himalaya! Je crois que le livre des légendes est dans le livre des légendes lui-même. Oh, allez! Mais ils sont trop rapides! Mais pourquoi vous ne faites pas ce que je vous dis? Allez, allez, allez! Attendez un peu.
connais une demoiselle qui sera peut-être capable de nous sauver de la détresse. Cerise ? Si tu n'as vraiment rien d'autre à faire, tu sais, tu pourrais peut-être... Je mets mes chaussures. C'est inutile, il refuse de s'ouvrir. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je pourrais peut-être essayer. Blondie? Alors tu nous espionnais? Une bonne journaliste sait toujours où trouver une belle histoire. Et si c'est une serrure qui vous empêche de continuer, eh bien... je crois que j'ai ce qu'il faut. Je me demande si nous sommes censés l'ouvrir. Raven! D'accord. Si je comprends bien, toute l'école nous a suivis ici, c'est ça? Eh bien, moi je ne vous ai pas suivis, mais je m'ennuyais en regardant le match, alors j'ai décidé de venir jeter un œil ici. Et vous, qu'est-ce que vous faites? On essaie de trouver le véritable livre des légendes pour que Raven puisse le signer. Je suis désolée, mais je ne peux pas vous laisser faire ça. Bria! Si vous trouvez le véritable livre, ça veut dire que je vais toutes vous perdre. Bria, on pourrait peut-être trouver une autre... Raven, non! Je regrette, Bria. Endroit. Regardez toutes ces écritures. Je crois qu'on est à l'intérieur du livre. Madeline, est-ce qu'il reste d'autres indices? Un chapitre pour tous, pour vivre et survivre, avec une page de réponse pour ressortir en vie. Les livres! Il y a 8 livres! Et nous sommes justement 8! On dirait qu'une page du véritable livre des légendes est cachée dans chacun de ces livres. Mais alors comment on va savoir quelle histoire est la nôtre? C'est impossible. Je crois qu'on ne peut pas revenir en arrière. Un, deux, trois. Un petit, un moyen et un grand bol. Je suis dans l'histoire de Blondie. Oh, oh, les ours. Oh non! Je suis dans l'histoire d'Apple! Mange, ma petite! Mange! Oh, c'est ta destinée! C'est bizarre, je me sens... Je suis dans l'histoire de Cédar! C'est pas vrai! Je suis dans l'histoire d'Ashlyn! Oh, il est mignon! D'accord. C'est complètement... Oh, on lui coupe la tête! Oh, je suis cupide! C'est terrible! Oh, j'imagine que je suis censée rendre tous ces petits lapins amoureux! Ou peut-être pas. Suis-je... Bravo, ma reine. Le poison a opéré. Maintenant, c'est vous la plus belle du royaume. C'est moi qui ai fait ça. Oh non. On dirait un rouet. Et la tour d'un château. Ça signifie que je suis dans l'histoire de Briard. Bon, dis maman que je ne me... Non! Non! Les pages de tous les âges, les pages! Allez, vas-y, cours! Oui, 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 oui,
bataille remporte la victoire. La page. Madeline, est-ce que ça va? Oh oui, mais tu sais quoi, le travail de Cupid est moins facile qu'il n'y paraît. Pas ma tête. Oh, plus question de passer les vacances chez toi, ça c'est clair. Oh, voilà l'effet que ça fait quand on a la pantoufle à l'autre pied. Tu dois manger, c'est ta destinée. Tu ne peux pas échapper à ton histoire. Raven, tu as réussi. Briard, est-ce que ça va? Oh, Raven, désolée, je ne savais pas. Attendez un peu. Mais où est Apple? Il ne reste plus que le livre de Briard. Alors, si c'est Apple qui a mon histoire, elle a dû s'endormir. Elle n'arrivera jamais à trouver sa page. Il faut que j'aille l'aider. Briard, attends, c'est trop dangereux. Il faut que j'y aille. Apple est ma meilleure amie. Chapitre. Briard a réussi. Apple, Apple, réveille-toi. Réveille-toi. Tu m'as sauvé, Briard. Bien sûr. Nous sommes les meilleurs amis. Pour toujours et à jamais. Ça ne ressemble pas du tout au livre des légendes. Mais qu'est-ce qui est écrit? Un prompt retour, et les mots que tu dis vaincront le sort pour un nouveau jour. Il ne s'est rien passé? Oh que si! Vous avez retrouvé les pages et vous avez vaincu mon sortilège. Il dit que nous avons retrouvé les pages. Gilles, vous pouvez parler. Maintenant tout le monde peut comprendre ce que vous dites. Oui, Madeline. Et je vous dois des remerciements. Merci à toutes. Il vous a fallu un courage extraordinaire pour relever ces défis. Vous vous êtes toutes montrées dignes de vos histoires. Mais, Monsieur Grimm, en fait, nous cherchions tout le livre des légendes. Vous savez où il se trouve? Non. Mais je sais qui l'a volé. Qui? La méchante reine. Ma mère? Ma mère, c'est elle qui a volé le livre des légendes? Mais pourquoi? Je n'en sais strictement rien, mais il y a une chose que je peux te dire. Il y a des années, ta mère a essayé d'aller au-delà de son histoire et de gâcher tous les autres contes. Mais mon frère et moi, nous avons pu l'arrêter à temps. Mais pourquoi restez-vous toujours ici? Eh bien, curieusement, c'est à cause de mon frère. Quoi? Pourquoi? Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a bien longtemps, alors que mon frère et moi n'étions que de petits garçons. Ah! Gilles! Je suis tellement désolée! Oh, désormais, je respecterai toujours les histoires. Toujours. Même si j'ai toujours respecté notre passé de conte de fées, je n'ai jamais cessé de penser que chacun d'entre nous devait avoir la possibilité d'écrire sa propre histoire. Et le directeur de l'école n'aimait pas ça. Non, il n'aimait pas ça du tout. Il m'a lancé ce terrible sort de papotage et il m'a enfermé ici. Mais...
Mais le sortilège est annulé maintenant. Oui, grâce à 8 jeunes filles extraordinaires. Maintenant, venez. La cérémonie du bal de la destinée va commencer. Vous voulez venir avec nous? Oh, pas si vite. Ça fait tellement longtemps que je n'ai plus participé à une fête. Je ne saurais vraiment pas quoi me mettre. On va vous aider. Ça suffit maintenant, ça suffit. Hey Bria, tu pourrais m'aider à me coiffer? Oui, j'arrive. Soyez tous les bienvenus au bal de la destinée d'Ever After High. Une tradition de notre école au cours de laquelle nous célébrons nos histoires et ceux qui les ont vécues avant nous. Le roi et la reine de la soirée seront bientôt élus. Un peu de patience. Mais maintenant, en avant la musique et que la fête commence. Tous avec moi. Cerise. Salut, Daring. Je voulais juste te dire que... Eh bien... Je suis vraiment désolé d'avoir pensé que tu n'étais qu'une demoiselle en détresse. Tu nous as tous sauvés pendant le match, ça c'est la vérité. Oh, merci. Et tu veux danser? Je suis sûre qu'il y a des tas d'autres filles qui attendent. Mais c'est avec toi que je veux danser. Oh! Madame Yaga? Oui, ma chère? Cette photo, on dirait qu'elle a été prise dans ma chambre, mais qui sont tous ces gens? Mais là, c'est le petit chaperon rouge et là, c'est la méchante reine, oui, c'est elle! Mademoiselle Beauty! Cédar, tu as tes lunettes révélatrices, je voudrais te les emprunter! Bonsoir, Apple. Oh. Mademoiselle Queen. Écoutez, monsieur le directeur, je sais que vous êtes furieux contre moi. C'est le moins que l'on puisse dire. Et je suis désolée.
J'ai vraiment très envie de signer le livre des légendes. Vous ? C'est vrai ? Oui. Si je ne le fais pas, cette horrible vision que j'ai eue dans le miroir deviendra réalité. Le puits des souhaits ! C'est dans le puits des souhaits que vous avez eu cette vision. Mais je n'ai dit à personne que j'avais eu une vision dans le puits. Ce qui veut dire que la seule façon dont vous avez pu la prendre, c'est en créant vous-même cette vision. Monsieur le directeur Grimm, ce n'est pas bien. Mais je l'ai fait pour protéger nos histoires. Raven a le droit d'écrire sa propre histoire. Ce n'est pas bien de tricher pour l'obliger à faire ce que vous voulez. On peut être bon et méchant, heureux et triste, royal et rebelle. On peut être bien des choses en même temps. Gilles ? Mais c'est impossible ! Bonsoir, grand frère. Tu m'as beaucoup manqué, tu sais. Et je te pardonne, mon frère. Oh, toi aussi, tu m'as manqué. Pourrait-on tourner la page et entamer un nouveau chapitre ? Elle ne va tout de même pas jeter le livre dans le puits, n'est-ce pas ? Elle ne veut pas perdre ses amis pour toujours et à jamais. Mais c'est une erreur. Bon, elle le comprendra, parce que l'histoire de Briard est loin d'être terminée. En fait, dans le chapitre suivant... Hey, taisez-vous, vous allez gâcher le suspense. Le moment est venu de vous dévoiler le nom du roi et de la reine du bal. Je laisse la parole aux experts du Mirror Net pour les résultats. Et voici les résultats. Vas-y, dis-leur, Humphrey. Moi, je croyais que c'était toi qui t'en occupais. C'était ton boulot. Sans blague, je te rappelle que j'ai dû refaire tout le site web à cause de tes bêtises. Quoi ? N'importe quoi. On dirait qu'il vous reste encore un peu de temps pour voter. Connectez-vous au Mirror Net sur la page Mon Chapitre et donnez votre avis. Nous annoncerons bientôt les vainqueurs. Restez avec nous. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux bal de la destinée. Un joyeux bal de la destinée, en effet. Et s'il y a bien une chose que nous avons apprise, c'est que l'on ne peut pas juger un livre par sa couverture. En particulier un livre de contes de fées. C'est ce que je voulais dire. Pourquoi faut-il toujours que vous en rajoutiez ? Je n'en rajoute pas. C'est vrai, à la fin, nous avons déjà discuté de tout ça. Beaucoup trop souvent. Mais il faut toujours que vous ayez le dernier mot. Dis-moi ! Oh, ça, c'est la meilleure. C'est la vérité.